Good morning, Ale Iden. L'étude sera aujourd'hui le Lunishmat Rivka Batsara et Rachel Rachel Batsara et Chaim Eliyahu Ben Shalom Louski. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metzia, Perektet, Mishnah Vav. Amekabel Sadem et Chavero Veachala Chagav Onish Dafa. Im Makat Medina Hi Menakel Omin Chikuro. Im Eno Makat Medina Eno Menakel Omin Chikuro. Rabbi Yehuda Omer, Im Kibla Emenu Bemaot, Ben Kacho Ben Kach, En Omenakelo Min Chikuro. On va commencer par traduire la première partie de la Mishnah, et ensuite on expliquera et on reviendra de nouveau sur la Mishnah, sur les mots eux-mêmes. Amekabel Sadem Echavero, on parle d'une personne, d'un agriculteur, qui a pris le bail d'un champ. Ve'achala Chagav, et il a été envahi par des sauterelles qui ont tout dévasté. Oh Nish Dafa, où il y a eu une autre sorte de dégâts, ça s'appelle en bon français la nielle. On expliquera ensuite c'est quoi, c'est une maladie qui touche les grains de blé. Im Makat Medinahi. Alors la Mishnah nous enseigne. Donc en fait, il manque la phrase de transition. On parle donc d'un agriculteur qui a reçu un bail, qui a pris le bail d'un champ, et il devait payer un prix fixe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une catastrophe. Donc le champ n'a pas pu produire. Et alors, la Mishnah nous enseigne, Imakat Medinahi, si c'est une catastrophe nationale qui a affecté tout le secteur, toute la région, alors Menakelo Min Chikuro, on pourra lui réduire, ou lui supprimer même, du prix du bail qu'il devait lui donner. Et Menomakat Medina, par contre, si ce n'est pas une catastrophe qui a affecté toute la région, mais uniquement lui ou encore quelques autres champs. Eno menake lo min chikuro, il ne pourra pas lui réduire ou lui déduire du prix du bail qu'il devait lui verser. Avant d'expliquer maintenant le cas précis de la Mishnah, on va d'abord prendre deux cas extrêmes qui vont nous servir ensuite pour revenir au cas un petit peu plus délicat de la Mishnah. Supposons d'abord premièrement que je prends le bail d'un champ pour 10 ans. Je dois lui payer tous les ans 50 000 shekels. Et ce qui se passe, c'est qu'après la première année, le fleuve qui passait à côté change son lit et se met à passer à l'intérieur du champ. Le champ, il a coulé. Ça arrive. Le champ, il a disparu. Il n'y a plus de champ. Il y a à présent un beau fleuve qui passe. Donc on ne peut plus exploiter. Donc une chose de sûre, bien sûr, c'est que le propriétaire, il aura perdu son champ pour la 11e année, il ne pourra plus l'exploiter. Mais la question, elle est déjà, pendant ces 10 ans, qui devra endosser cette perte? Est-ce qu'on va dire que l'agriculteur, il devra quand même payer le bail? C'est vrai, il va lui dire, t'as loué le champ pour 10 ans, il a disparu, débrouille-toi tout seul. Moi, dans la 11e année, je commencerai à réfléchir, à anticiper, on verra qu'est-ce qu'on fera. Mais pour le moment, 10 ans, je l'ai loué, c'est toi qui assume ça tout seul. Ou bien non. Est-ce que l'agriculteur peut dire au propriétaire, mais non, je me suis engagé à te payer pour ton champ que tu me fournis. Tu cesses de me fournir le champ, je cesse de te payer. Et Bémet, bien sûr, c'est la deuxième option qui est fixée pour la halakha. Dans la mesure où c'est ton champ qui disparaît, tu ne me fournis plus ton champ, je ne peux plus l'exploiter, donc je n'ai plus de raison de payer. D'accord? C'est la location elle-même qui s'annule. Ça, c'était un premier cas extrême. Un autre cas maintenant, à l'autre extrême. Supposons, à présent, que après un an de labeur où j'ai labouré, semé, arrosé, moissonné, laissé sécher le blé, je l'ai entassé même, la nuit, des brigands débarquent et volent tout le blé. Kaparat avonot, j'ai tout perdu, j'ai vraiment travaillé pour rien cette nuit. Est-ce qu'en plus de ça, qui devra maintenant endosser cette perte? C'est-à-dire, est-ce qu'en plus de ça, je devrais payer au propriétaire la location annuelle? Et la réponse était évidemment oui, il n'y a aucune raison que je ne lui paye pas. J'ai moi eu une perte, je dois l'assumer tout seul. On parle bien sûr dans toute notre Mishnah d'un bail à prix fixe, pas un bail à rente. C'est évident, on expliquera à la limite, quand on arrivera à la fin de la Mishnah, on expliquera pourquoi c'est tellement évident. Mais en tout cas, pour le moment, retenez, on parle d'un bail à prix fixe. Donc, à la fin de l'année, si je me suis fait... En fait, on a deux cas extrêmes. Le cas où le champ cesse de produire, ou bien le cas où il y a un incident technique qui fait que je ne peux plus profiter de la récolte. Quand c'est le champ qui ne peut plus produire, alors on considère que
Donc c'est le propriétaire lui-même qui ne me donne plus le bail, qui me donne plus son champ à exploiter. Donc j'aurai plus de bail à payer. Tandis que le cas où c'est un incident technique, alors lui il me donne le champ, après c'est plus son problème, qu'est-ce qui se passe avec le blé. On a fini maintenant avec les deux cas extrêmes, et puis maintenant on va revenir au cas particulier de la Mishnah. La Mishnah, elle va parler d'un cas, d'une sorte de catastrophe naturelle, où à cause de cette catastrophe, le champ cesse de produire, mais malgré tout, à la différence du cas extrême qu'on a pris, où c'est le champ qui a disparu, le champ il est là, mais une catastrophe naturelle fait qu'il est plus, qu'on ne peut plus exploiter, ou que si on l'a exploité, on a tout perdu. En l'occurrence, on va prendre d'abord le cas rapporté ici, donc le premier cas avec les sauterelles. Une invasion de sauterelles qui est venue, qui a tout dévoré. Comment considérer ça? Est-ce qu'on va considérer que c'est une catastrophe naturelle, ou finalement c'est le champ qui était plus apte? Cette année-là, c'était une année à sauterelles, et c'était pas possible d'exploiter le champ. On a cru que j'allais pouvoir l'exploiter, et finalement, après quelques mois où j'ai semé, j'ai travaillé, elles sont venues, elles ont tout rasé. Il s'est avéré que c'était une mauvaise année. Ou bien non, elles vont dire non, le champ, tu me l'as mis à disposition. Alors la Mishnah va nous donner comme ça un axiome qui fait objet de discussion, comme tout ce qu'il faut définir précisément dans la Torah. On va se retrouver avec des rabbanim qui vont plus comprendre de cette manière, d'autres qui vont plus comprendre autrement. Mais en tout cas, le principe général, il est admis par tous. Si tous les champs de la vallée ou de la région ont été affectés, alors il s'avère que ça s'appelle que c'est une catastrophe naturelle qui affecte tout le monde. Donc on va rejeter la responsabilité finalement chez le propriétaire qui ne m'a pas fourni de champ pour cette année. Donc je n'aurai pas de bail à payer. Tandis que si il n'y a pas eu tous les champs de la région, du secteur, en tout cas de la vallée qui ont été affectés, tous les champs sont restés bien, les sauterelles ne sont pas entrées dedans, elles sont passées juste, la poisse, elles sont entrées juste dans le champ en question. Alors là, le propriétaire pourra récupérer son bail et lui dire à moi, mon champ, il est parfait. Il est comme tous les autres champs de la région. S'il y a eu les sauterelles qui sont entrées, c'est parce que lui, il porte la poisse. C'est pas moi. Donc tu me payes le bail. Comme ça, il va lui dire. C'est le principe de la Mishnah. On refait ça dans les mots. Avant de faire dans les mots, d'abord, on va revenir sur le niche des faces. C'est la deuxième catastrophe naturel évoqué par la Mishnah. On l'a déjà évoqué dans quelques Mishnah plus haut, je ne sais plus où, j'ai regardé, je ne l'ai plus retrouvé. Mais en tout cas, le Shidafon, ça se trouve même dans Shamir Achem, dans les Klalot de Kitavo. J'ai été étonné par le rabbin Zadok Khan, qui est normalement une référence, en tout cas pour le bon français. Cette fois-ci, il n'a pas bien traduit le mot Shidafon, je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit dans Kitavo. Pas sous le 22, je crois, 29-22, si je ne me trompe pas, c'est la référence. En tout cas, j'ai vérifié et j'ai enfin trouvé de quoi, quelle est cette maladie-là qui frappe les épilulés. J'ai recopié ici la traduction du dictionnaire. Shidafon, d'abord, ça se traduit en français la nielle. La nielle, c'est une maladie des céréales, notamment du blé, qui convertit l'épi en poussière noirâtre. C'est-à-dire, on va avoir l'épi qui va pousser et en fait, on va s'approcher, on va réaliser qu'il y a une petite poussière noire à la place de l'épi. C'est une maladie qui frappe, qui était assez... Je sais pas si ça existe encore à notre époque, si on sait si on sait y parer, mais en tout cas, c'était une maladie fréquente. C'était dans les malédictions, où ça pouvait arriver que l'année, elle était catastrophique. On récupérait qu'un faible pourcentage du blé. Et maintenant, on revient sur... c'est aussi un verbe. On dit que le champ a été niellé. D'accord? Pour les amoureux de la langue française. C'est intéressant, maintenant que je me remets à parler en français depuis plusieurs années. Au moins, on va apprendre à parler. Amekabel sadem et chavero ve'achala chagav. Donc, celui qui reçoit le bail d'un champ de son ami ve'achala chagav. Et il a été dévasté par des sauterelles. O nishdafa, ou encore le champ a été niellé. Il y a eu donc cette maladie du blé. Im makat medinahi. Si c'est une catastrophe naturelle, une maka, ouais. Comme dans les makot mitzraïm, les plaies. Si c'est une plaie nationale, c'est-à-dire qui a frappé tout le monde, tout le pays, dans le Bartanora, il va nous rapporter tout le pays ou toute la vallée. Il y a ici un long Tosotiomtov qui fait une discussion entre Rashi et le Rambam et qui va expliquer pourquoi le Bartanora rapporte les deux. Mais en tout cas, le principe, il est là. En tout cas, on est capable, selon certains critères, de définir que c'est une plaie qui frappe tout le monde. Dans ce cas-là, Menakel Omitrikuro, il lui déduira du prix du bail. C'est-à-dire, on va évaluer, on avait fixé que j'allais te donner 50 000 à l'année, alors on va amener des...
On va évaluer ça, on va dire sûrement je devais donner 50 000 parce qu'on estimait que le champ allait produire au minimum entre 180 et 250 et donc on avait plus ou moins calculé. Et finalement, si le champ il a produit juste 80 000, alors on va calculer en conséquent on va faire une expertise pour définir quel est le prix apte à payer pour un champ qui a produit aussi peu. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Menakel Omitrikuro, il lui déduira du prix du bail. Imeno Makat Medina. Par contre, si ce n'est pas une plaie qui affecte la majorité de la vallée, Eno Menakel Omitrikuro, il n'aura pas besoin, il ne lui déduira pas du prix du bail. Comme ce qu'on a expliqué, parce que c'est une plaie qui ne l'affectait qu'à ce pauvre agriculteur, ce Donald qui a la poisse, et c'est tout. Ça ne doit pas affecter le propriétaire du champ. Maintenant, Rabbi Yehuda rentre avec une nouvelle considération. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, « Im kibla emenu bema'ot » Si l'agriculteur a reçu le champ et s'est engagé à lui donner de l'argent. « Ben kachu ben kach eno menakelo mechikuro » Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un makat medina, d'une plaie nationale ou d'une plaie particulière, eno menakelo mechikuro, il ne le déduira pas du prix du bail. Pour quelle raison? Selon Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda pense que tant que l'engagement était de donner une certaine quantité de blé ou une certaine valeur, mais de blé, de la production elle-même du champ, alors si le champ si la production a été affectée, a été touchée, alors on rentrera dans les considérations de savoir est-ce que c'est une catastrophe nationale ou particulière. Mais dans la mesure où tu t'es engagé à payer de l'argent, et que toi tu as eu un problème technique que tu n'as pas réussi à exploiter, tu n'as pas réussi à profiter de la production du champ, malgré tout, toi tu dois donner de l'argent, tu continues à payer la location. Supposons par exemple qu'en fait on a loué des maisons et qu'il y a eu un ordre du roi que plus personne ne rentre habiter dans les maisons. Moi, la maison que je t'ai mis à disposition, elle est là. Va voir le roi si tu as un problème. Le principe, il est là. Dans la mesure où tu dois me payer de l'argent. D'accord? À la différence du cas où il doit me payer en récolte. Alors là, on va dire, la récolte a été touchée. Là, on va commencer à voir, est-ce que le propriétaire est impliqué lui aussi dans ce châtiment divin. Voilà pour la Mishnah. Enfin, à présent, le Barthénora. Amekabel sadeh vechakirut kar vekar kurim. Il a reçu en chakirut, donc en bail à prix fixe, avec tant et tant de quantité de blé qu'il devait lui donner. Je l'avais dit aussi que j'allais le préciser. À la différence du cas où celui qui reçoit un bail à rente, un haris, kablan, où il doit lui donner un pourcentage de la récolte, où c'est évident que dans tous les cas, même si c'est l'agriculteur qui porte la poisse, malgré tout, l'engagement était de donner une part des gains, il n'y a pas eu de gains, il n'y a pas eu de faute de l'agriculteur, il y a juste eu son mauvais sort, sa poisse, sa mauvaise chance. Mais malgré tout, on a dit qu'on allait se partager les gains, il n'y a pas eu de gains, donc on ne lui devra rien, même si ce n'est pas une makat medina. Donc c'est pour ça que notre Mishnah parle forcément d'un bail à prix fixe. Makat medina, c'est quoi une makat medina? Shachal chagav, que les sauterelles l'ont mangé. O, chez nishtadfu, rov sadot shalota medina orota bik'a. Ou encore qu'ils ont été niellés, donc la majorité des champs du pays ou de la vallée. Eno menake, par contre, donc ça, on se rapporte sur la suite de la Mishnah, où s'il n'y a pas eu de makat medina, ça n'a pas affecté la majeure partie des champs, alors eno menake lo minchikuro, il ne devra pas lui déduire du prix du bail. Pourquoi? D'amarlo mazal chagaram, parce que le propriétaire dira à ce pauvre agriculteur, c'est ta mauvaise chance qui a été la cause de ça. Je n'ai pas, moi, lieu d'assumer avec toi tes pertes. Benkachu benkach, on se rapporte maintenant sur le dernier cas de Rabbi Yehuda, qui nous dit donc que s'il a reçu un bail à prix fixe, mais en argent, pas en quantité de blé, afilu imakat medina, dans tous les cas, même si ce n'est pas une makat medina, ce n'est pas une plaie nationale, un dégât général à tout le monde, et non, menaké, malgré tout, il ne pourra pas lui déduire du prix du bail. Pourquoi? Shalamaot lo nixera gzera. La perte
a affecté uniquement le blé, mais pas l'argent. C'est-à-dire l'argent, il n'y a pas eu de problème avec l'argent. Tu dois me donner l'argent que tu me dois. C'est pas rapporté ici, mais la halakha, elle est fixée. C'est rapporté dans le Rambam, dans le Yada Chazaka. La halakha, elle est fixée comme Tanakama, qu'on ne fait pas de différence si c'était un engagement à payer de l'argent ou à payer du blé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Pleine de Hatzlacha. Kol tour, c'est là.